Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed 3. Donc j'espère enfin que je vais pouvoir finir cette partie sud de l'île là. Il y a encore beaucoup de choses. Le précédent était assez long. Bon, j'ai fait quelques coupures, j'espère que ça ira. J'ai pas encore fait le montage. On regardera ça un peu plus tard. Là nous on cherche une babiole. Babiole jambe de bois. Mais elle est introuvable. Je vois pas où ça peut être ce truc. Ah, j'ai peut-être une idée. Il faut trouver un moyen de grimper là-haut. Voilà. Ah ouais, mais après... Non, c'est plutôt par là. Ah, c'est sous terre. Bon, bah on est sûr que c'est pas là l'entrée. Je récupère toujours mes trophées. Faut qu'on trouve l'entrée de la grotte. On va chercher dans le flanc là. Ce serait plus logique qu'elle soit quelque part dans le creux là. Il y a des drôles de bugs là, ils ont des bruits bizarres. Ah oui, il fallait vraiment la trouver. J'aurais jamais cru là qu'il allait y avoir quelque chose derrière la cascade. Je pensais que ça allait être un vieux rocher. Bon, c'est un peu le truc typique, hein, les grottes planquées derrière les cascades. Ouais, on aurait pu entrer par là aussi. Un loup. Il me faut des loups. C'est bizarre, j'arrive mieux maintenant. J'ai peut-être compris comment fallait faire, hein. Pas de pas aller trop vite. Un autre là qui est mort par là.
Regarde moi. Voilà. Plus qu'une une peau de loup. Et on aura notre. Ah bah là. Pas besoin de le demander. Pas besoin de le demander. Voilà. Allez, on va poursuivre notre chemin. Maintenant que ces vilains loups sont morts, on a nos plumes, nos fourrures, je veux dire. Bon bah ce sera du surplus. De toute façon on revendra tout ça à l'occasion. Ils attaquent gratos comme ça. Bon ok. C'est bien ici, on l'a trouvé directement. Ouais, c'est mieux que je fasse ça en deux épisodes parce que là, un seul épisode, ça aurait été vachement long pour vous. Déjà que le précédent était long. Il y a tellement de trucs à faire dans ce sud de la frontière là. Ouais, c'est pas mal ici. Hein. Bon, il y a des belles montagnes au loin là qu'on aperçoit, mais à mon avis elles sont pas accessibles. Là, je suis orienté quoi? Vers l'est. Bon. Ouais, il y a peut-être accès. Il y a une mission messager là-bas. Si on a un peu de temps, on ira la faire là. On ira au moins, je pense que c'est une lettre à déposer. On ira le faire. J'ai mis en nuit, les gars. Ah non. Ils sont tous nuls là-dedans. Vous êtes incognito. Oui, oui, je suis en train de me battre avec 5 mecs, mais... Il y a souvent des ralentis quand on fait des kills comme ça. Je sais pas si c'est pour faire un autre coup. Peut-être non, je sais pas. Je pense que ça sert à rien, c'est juste esthétique. Quoi, il sert le sifflet là. Ah oui, c'est quand on doit diriger des troupes ou je sais pas quoi. J'avais même fait gaffe à ça. Peut-être quand on a des assassins sur nous. Ah oui, d'ailleurs, les assassins, j'y pensais plus. Non, c'est pas là, c'est là. Bon, bah, on a eu le Québec, c'est bon. Ah, on peut pas aller dans le Maine. Ah, c'est le Massachusetts, c'était les deux à l'époque. Ah ouais, le Maine devait pas exister alors. Alors, on va s'en occuper. Bah, c'est autre chose là. Je vois pas comment je peux faire ça. Pourtant, c'est la première. On va essayer plus loin. Ah, c'est peut-être déjà ici qu'il faut commencer. À tous les coups, c'est ça. On peut pas aller attaquer les suivantes.
Bah, c'est un peu ça. On va attendre un petit peu. On va aller choper la plume qui traîne. Ok. On va essayer notre coup par ici. Next. Plein de trucs à faire dans ce petit coin là. Ouais, franchement, je regarde pas du tout d'avoir séparé notre visite du sud en deux épisodes, hein, parce que là, oh là là. Voilà, on en prend l'habitude. C'est quoi ça, les lutteurs de Boston? C'est des nouvelles missions, si ça se trouve. Tu viens pour te battre? D'accord. Ah ok. C'est un combat. Tu iras pas loin en te cognant comme ça. Ah oui? Bah pour l'instant, tes alliés, ils ont pas l'air très forts. Hein. Tu iras pas loin en te cognant comme ça. Ah ouais? Ah, il est fort quand même, le mec. Hein. Il a de la vie. Elle est pas mal la musique des combats là, j'aime bien la musique des combats à la main. Fais pas le malin mon gars, hein. Je suis en train de te défoncer ta mère là. Ok, ça marche. Il m'a fichu par terre. Qui t'ont fait? Il m'a fichu par terre, hein, voilà.
Bah lui, ça va être un paysan du coin qui a dû être effrayé. Merci. Voilà. C'est quoi ça? On va voir tout de suite le nom. Société de chasse. Peut-être qu'on a des animaux à chasser. Des gens ont essayé de s'installer sur un lopin près d'ici. Allons. Et il semble que ce soit le territoire d'un ours noir qui a un penchant pour le sang humain. Si vous abattez cette bête, de braves gens vous seront reconnaissants. Un ours noir, je déteste les ours. Je crois que c'est des animaux d'ordre d'une agressivité sans nom. Ou en tout cas des animaux qui n'ont pas de problème à tuer. Alors du coup, il va falloir que je trouve la bête. Que je la zigouille, mais avant on fera les trois trucs qu'il faut faire là. Et même la mission messager avant. Non, il est con ce cheval. Encore un abrutis. Un joli moulin là. Le blanc. Ah, c'est sur le moulin, d'accord. Pas mal, pas mal. Les vaches qui sont en liberté. C'est peut-être des vaches sauvages. Hein. Mais bon, je crois pas que ça ait trop cette allure-là, le bétail comme ça quand il est sauvage. Super stylé. Non, oui, non, non, non. Ouf. Bon, je refais une fois, puis si je loupe, je couperai jusqu'à ce que j'y arrive. Ah, c'est bon. Allez. Le temps, il me paraît tout le temps mauvais ici. Et c'est une forteresse que je vois là-bas.
Merde. Bon, après les forts, on les découvre aussi en allant chercher les plumes et tout, hein. Heureusement d'ailleurs. Ça nous permet d'explorer un peu la map et de pas avoir à fouiller comme des cons. Il va falloir trouver un moyen d'entrer dedans. C'est une petite île, ça, d'accord. Un îlot même. Je sais même pas si on pourrait mettre une cabane là-dessus. Ok, là c'est le bout de la map. Il veut pas monter, hein. Putain, je suis comme un con là. Il veut pas monter. Il refuse d'escalader. Là. C'est quoi ces lieux? Qu'est-ce qu'on me fait escalader là? Alors, comme je vous disais, hein, regardez, c'est des rochers tout étroits, on ne pourrait même pas placer une cabane. Il faudrait terraformer. Maintenant, on va s'occuper du boss. Il va y avoir une entrée là. Vous voyez, on voit des bûches et tout là. D'ailleurs, un moyen de pénétrer les lieux par là. Voilà, une fois qu'on est lancé sur les rochers, normalement ça va, après on grimpe plus facilement. Bon, par contre, je vois rien, ça s'aime pas. On voit vraiment que dalle là. Là. Ni vu ni connu, il tombe à l'eau. Franchement, j'adorerais faire une attaque infiltrée comme ça. C'est déjà pas mal comme infiltration, hein. Encore faut-il qu'on parvienne à monter. Ce qui n'a pas l'air simple, a priori. Voilà. Non, il veut pas, rien à faire. Il va falloir essayer ailleurs. Ah. Qu'est-ce qu'on nous fait là? Qu'est-ce qu'on nous fabrique? Ah, peut-être par là. Toi, halt. Merde. Eh, hey, par contre, faut arrêter les fusils, là, hein. Et alors lui il peut me tirer dessus mais moi je peux pas. C'est quoi le délire? On se moque du monde?
Garfi, y'a rien pour toi ici. Oui. Ils sont où les autres? C'est bon, je reçois plus de coups de fusil là? Je vais y arriver? Y'a le chef là maintenant. Oh, ça tire encore hein. Non, c'est pas le chef ça. C'est pas possible, on me tire dessus. On me cherche des gros ennuis là. Faut qu'ils arrêtent de tirer hein. Je reçois même pas de signal quand ils tirent, je peux rien faire. Ah, c'est le fort affreux où j'ai eu une mission à faire là avec Ethan Kenway au début du jeu. Ils sont cons, eux, ils se promènent sur leur banc. Le chef. Lui, on peut l'abattre qu'en lui tirant dessus. Tu dégages, hein, enfoiré. Ah, faut le crocheter. Oh, les crochetages, j'ai rien de pire. Ok, c'est bon. Je vais à la réserve et je fais péter ça. Hein. C'est long hein, faire tout ce qu'il y a au sud là, on aura même limite le pu faire tout en 4 épisodes. Hein. Même plus peut-être. On va crocheter la serrure. J'ai
J'avais trouvé une technique, j'appuie sur les boutons en même temps. Ça, ça me permet de les maintenir. Moi, je vous jure que là, j'ai les doigts qui sont en feu, là. Ouh, j'ai réussi. Parce que je croche avec les deux mains, genre, je mets la main gauche sur le joystick gauche, la main droite sur le joystick droit, mais je crois que quand j'appuie, donc quand je clique sur les joysticks, ça me permet de crocheter correctement. Ils fuyaient ces cons là, je les ai tués alors je pensais qu'ils étaient qu'ils m'attaquaient. Faut pas venir sur moi, hein, vous allez mourir bande de cons. Bon écoutez, je vais pas tarder à arrêter l'épisode maintenant. On va aller se faire le salopard d'ours là. Et après ce sera bon pour aujourd'hui. Ça doit être un échappé de l'asile. Alors les mecs, je vous ai libéré et vous m'insultez. Bon, je vais pas vous attaquer parce que je sais pas que ça va faire, mais... Je hais les poivrons. Bah dis donc, 900 mètres. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Catastrophe le cheval là. Allez, on s'en approche là. Hein. Ah, elle est convoi, mais ça va apparaître de façon un peu aléatoire. Dégage, loup. Oui.
Ça, c'est une traversée rapide des bois. Hein. Les couillons d'ours là. On va s'occuper de toi. Allez, on y est presque. C'est pas lui ? J'y crois pas. Eh ben on se débrouille beaucoup mieux qu'avant. J'ai enfin compris que ça marche ce truc. Il faut pas aller trop vite, faut juste bien prendre son temps. Il y a B, on appuie sur B, et un autre chiffre, on appuie sur le chiffre. J'ai l'impression que c'est quand je multiplie les clics en fait que ça se fait pas. Solo, allez. Y'a un moi. Ah oui, je récupère. Hein. Quand même. Hein. Ce serait ici donc. Ok, on fait une petite chasse à l'ours là, littéralement. Oh ! Oui. Merde, j'ai fait quoi ? Ok. Oh là là, ça, si ça avait été encore avant, quand je savais pas faire tout ça, j'aurais eu bien du mal. Hein. Ah bah, c'est pas fini. Il va être monstrueux le bestiau, ouais. Tiens, on va le fouiller lui, il se trouve, il a de l'argent. Non, que dalle. Hein? Allez l'ours criminel là. Lève là. Thank you.
On a bien bossé là, on a eu l'ours. Dans le prochain épisode, on va s'occuper, on s'occupera de... Ah, faudra qu'on y retourne. Et on s'occupera de ça et de tout le nord. Voilà, sur ce, à très bientôt.